Ouais, bien sûr. Moi, non, lui-même n'était pas au courant de tout. Voilà. Nous sommes nous assistons comme ça à l'évacuation du quai Branly en direct. Voilà, donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes en train d'évacuer. C'est en train d'évacuer. Voilà. Je vous laisse donc vous-même, vous regardez par vous-même. Quelqu'un peut le faire passer. Voilà, le spectacle, tout est annulé. Les gens sortent. Voilà. Il y a une autre sortie, bien c'est la seule sortie ici. Putain. Parce que je pense que le gars va passer par ici. Tu le vois. Mais je le connais. C'est la seule sortie. Ok. Partagez le direct. Évacuation. Le quai Branly est en train d'être évacué. Je vais vous tenir la porte. Et ça, je vous tiens la porte. Je tiens la porte. Voilà, tout le monde rentre. Chacun chembaillé. Chacun chembaillé. Voilà. On appelle ça. Que ça cuit, ça attaque. Voilà, partagez. Tout le monde enceint. Allez, ouvrez tous les deux portes. Allez, venez. Chacun chembaillé. Allez. Partagez dans tous les groupes. Évacuation du quai Branly. Tout est arrêté. Stop. Victoire. C'est le combat qui gagne. Les gens ont les nerfs. Voilà. C'est de ça qu'il est question. C'est très fort. C'est un moment historique. Il y a un soir que les rentrées. Ne soyez pas surprise quand on donne les coups de poing ici. Derrière, regardez avec les nerfs, il y a les nerfs dans l'air. Il y a les nerfs. Voilà. Chacun chembaillé. Allez, partagez. Voilà. Tout est arrêté. Tout est arrêté. Yes. Ça va. Pardon. Villageoise est très bon. Non, c'est parce que j'ai été créé au téléphone parce que tu venais m'embrasser. Ok, ça va. Hein? Anna! Répétez! Anna! Voilà, allez! See you. Pourquoi? Oui, parce qu'à la basse. On a le père, rentrez bien. Oui, c'est de ça qu'il est question. Non, il n'y a rien d'excessif. Les morts sont aussi excessifs, on ne les compte même pas. Non, mais j'ai payé 12 euros la main. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Vous voyez qu'il y a même les miens qui sont arrivés, c'est chaud. Ça va le faire. Tranquille. Tranquille. De commencer à bouger, voilà. Voilà. Donc, c'est très fort. C'est les retrouvailles. Les retrouvailles de longue date. Les retrouvailles. Ma chérie, tu as vu les masques, Bamileke? Les enfants ont vu les masques. Tu as vu les masques de la chefferie, ma chérie? T'as vu les masques de la chefferie? Ah oui, hein?
C'est beau, hein? Voilà. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Hé, 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 ma co-épouse. Quand tu me coupes l'œil comme ça, non? Merci d'être venu. Merci d'être venu. Ah, d'accord. Ok. En plus, je tenais la porte, hein. Je faisais du service gratuit, hein. Il faut pas. Oui, mais... Je donnais juste un coup de main. D'accord, je peux rester toute seule, là. Parce que quand on va entourer les gens, on va la prendre dans le cas et vous l'aurez plus. Il y a encore plein de gens en bas. D'accord. Il y a encore plein de gens en bas. Donc partagez. Si c'est partagez. Partagez massivement le live, s'il vous plaît, comme je vous disais. Comme ça, nous sommes au Cap-Branly. Prosper, tu vas où? Parce que tu peux manger, qu'est-ce que tu peux manger? Tu as dit que. Donc. Mais tu es nerveux, mais tu veux les faire l'acheter, me dis. Non, c'est grave, sont nerveux, hein. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Merci d'être venu, merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci, merci d'être venu. Merci. Merci, c'était magnifique. C'était très beau. Voilà, merci d'être venu. Pour l'instant, on ne peut pas encore beaucoup parler, on va parler après. On a su savoir l'évacuation en douceur, naïo. Et puis maintenant, on va vous expliquer les tenants et les aboutissants. Que vous compreniez le pourquoi de cette évacuation, le pourquoi de ce stop. Voilà. Donc, quand on vous dit qu'il y a des génocides au Cameroun, quand on vous dit qu'il y a des causes. Voilà. Des Camerounais qui ne sont pas contents de ce qui se passe. Et que les gens les masquent. Oui, Camerounais. Voilà, Camerounais. Il y a un génocide au Cameroun depuis 5 ans. Personne n'en parle. Ils font comme si de rien n'était. Il y a un génocide dans mon pays. Alors on est contre le fait qu'on vienne célébrer. Et personne n'en tient compte pour arrêter la paix. Oui, c'est nous, c'est nous. C'est ça. C'est à cause de nous que tout a été arrêté. Bon, voilà. Là, on est désolé. Non, pas nous deux, nous sommes nombreux. Désolé. Ben, désolé, hein, c'est des dommages collatéraux. C'est contre le chef qui est là, oui, effectivement. Parce que c'est les chefs qui ne sont pas. Ils ne défendent pas la culture, ils défendent le gouvernement. Ils sont du côté des oppresseurs. On a un président dictateur. Parce que le dictateur met tellement la pression, ils sont auxiliaires de l'État. Donc, voilà. Bien sûr, vous pouvez filmer, hein, ça ne me dérange pas. Ils ne s'occupent pas de la politique. Oui, le chef est le garant des traditions. Le chef n'est en aucun cas un homme politique. Mais sauf qu'en Afrique, ils ont tout mélangé. Et ça, on dit non. Ils sont dehors. Il y en a d'autres dehors qui nous attendent. Oui, on est nombreux. Ils sont nombreux. Non, non, on vit ici en Europe. On ne vient pas du Cameroun. Voilà. Partagez le direct massivement. Vous assistez en direct à l'évacuation. Voilà. C'est de ça qu'il est question. C'est très compliqué. Voilà. Voilà. Merci, Kamel Kodia. Je ne comprends pas. Oui, on va circuler. Les gens, certains refusent complètement. Ils refusent. Les gens refusent de comprendre ou de voir. Ou de voir ou d'accepter une réalité. Prosper, où est-ce que pour me jouer, où tu es pour me jouer? T'as pas dit que? Ah, où est-ce que tu as que Pentina? Pentina un peu. Oh, mince. Doyen Gunetagi? Non, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça. C'est pas pour la fin, on l'attend pour sortir. Voilà. Il y a un mec qui est très fâché. Partagé. On sortit, on rentre chez nous. Rentrons chez nous. La terre est sale. La terre est sale, si on invite. Il y a une mère là qui est très nerveuse. Ah, peut-être qu'il la filme.
Il y a le chef. Le chef est extraordinaire, c'est tout. Le chef est le plus du RDPC. Voilà, c'est le chef. On parle du chef, on parle pas de vous. On parle du chef, on parle pas de vous. On parle de votre chef, on parle pas de vous. Mettez le chef de côté et faites votre cérémonie tout simplement. La présence du chef vaut son absence. C'est pas pour rien de tenue, m'en veux. C'est pas pour rien de tenue. C'est pas pour rien de tenue, m'en veux. Pourquoi que pas tenue? Le problème n'est pas la tenue. Le problème, c'est la présence du chef et son rôle qu'il joue. Mais il est là-dedans, non? Sinon, pourquoi vous annulez? Non, non, c'est le problème des chefs. Le chef est extraordinaire, oui ou non? Voilà, et on va être encore plus virulent envers nos chefs à Mileke. On n'a pas vu où. Est-ce que c'est caché, ma mère? Est-ce que c'est quelque chose qui se cache? C'est quelque chose qui est, c'est un fait. C'est indiscutable. Comme ça, on va rentrer. En fait, au Cameroun, il y a un jour aussi. Le Gabon disait ce que tu souviens. Mais je suis depuis 5 ans, à partir de Il ne fallait pas nous laisser payer. C'est votre chef. Allez, regarde, ça fait votre chef. Nous sommes le Kanka responsable. Je sens que c'est moi qu'on vient chercher. Allez, je le vois venir vers moi, je vous vois venir vers moi comme des princes charmants. Madame, s'il vous plaît, on va prendre juste votre identité, après on vous laisse. Mais prenez mon identité, pourquoi? Parce que c'est désigné. Mais pourquoi? On fait un relevé d'identité, madame, tout simple. Mais pourquoi vous prenez mon identité? En fait, je ne comprends pas le but de prendre mon identité. On va vous expliquer. D'accord. Allez-y, madame. Voilà. Expliquez ça gentiment, vous plaît. J'ai bien voulu rester là tout à l'heure, mais elle dit allez de l'autre côté. Maintenant, je reste. Voilà, je suis là. Ah là, tu mets le chapeau? Vous avez une pièce d'identité avec vous, madame, ou pas? Un document d'identité. Oui, mais ça sert à quoi en fait la pièce d'identité que vous voulez prendre? C'est pourquoi? Un simple relevé d'identité. Mais pourquoi vous relevez mon identité? Vérification, madame, c'est tout. Si j'ai les papiers, si j'ai pas les papiers, si je quoi. Vous venez avec nous au commissariat pendant plusieurs heures. C'est juste une vérification d'identité, non? On ne pas vu qu'on a fini. Ah. Mais c'est juste un passeport ou une carte d'identité. Ça, c'est dommage. Hein. L'agresseur n'a pas comment? Il ne faut pas protéger le monsieur qui a agressé. Allez, madame, si vous pouvez sortir votre document d'identité. Monsieur, c'est pas la peine de nous filmer comme ça, Jean. Vous filmez aussi, madame. Oui, attendez, je donne mon téléphone à mon père. Doyen, chip téléphone, là, du film même, parce que vous me soyez en pièce d'identité. Continuez, dis-le, Il faut leur rappeler le général, il faut qu'ils appellent ce monsieur. Oui, parce que il faut justifier. Il a une seule plus, il devient amnésique, il ne sait plus, il se souvient plus de rien. Il a oublié, alors c'est devant lui que sa agression s'est passée. Il sait qui c'est. Il contrôle. Qu'est-ce qui empêche de qu'il prenne aussi la personne, la carte d'identité de la personne pour vérifier qui il est?
Non, mais la personne qui est agressée, il faut aussi qu'on prenne sa carte d'identité, qu'on vérifie. La femme, général, elle va expliquer ou non ? Elle a dit, elle est née, elle va expliquer. Ça filme encore, monsieur, là ? Pardon ? Ça filme, là ? Je sors, filme ma fille. Je filme ma fille. Pour votre date de naissance, s'il vous plaît. 9. 77. Ça fait 10. Vous voulez que je vous donne quelque chose ? Ça va pas rentrer, ça va. Voilà, donc je viens de me faire contrôler, palper en direct, vous avez bien pu le voir. On est très escorté. Je ne sais pas. Voilà. Mais bon, ce sont les aléas du boycott. Hein. Donc, c'est pas comme si il n'y a pas eu grande surprise. C'est un peu la juste fin des choses. Mais pendant ce temps, on continue toujours à suivre l'évacuation de. Du musée, c'est de ça qu'il est question et c'est ça qui nous intéresse. Le reste là, c'est les bifaka dans la sauce. Donc... le plus important là actuellement, c'est l'évacuation qui est en train de se passer. Ça se passe en bonne et due forme, sans violence, dans la douceur et dans le respect. Voilà. Donc, encore un tour de partage, s'il vous plaît. Encore un tour de partage. Faites encore un tour de partage. Voilà. Faites encore un tour de partage. Parce que tout le monde doit voir. Il y en a voir ce qui se passe. Nous sommes comme ça en direct du Cap Branly. Et voilà le. Merci beaucoup. Je peux y aller maintenant? Non, en fait, je suis bloqué là. Ah, sous contrôle d'identité? Ah, d'accord. Donc, comme vous voyez là, comme ça, on a arrêté la mamve. Donc, on attend que le chef donne les instructions qu'on nous libère. Donc vous voyez, il y a un cordon de sécurité devant nous. Hein. Il y a un cordon de sécurité. Voilà, il y a un cordon de sécurité. Il y a un énorme cordon de sécurité devant nous là, qui nous bloque. On nous retient le doyen, le général Wanto, Fabien et moi-même. Nous sommes retenus. De l'autre côté, il y a les barras, les prospects, les landriers et autres. Mais nous, on est retenus de ce côté. Voilà.
partager, hein, partager. C'est de ça qu'il est question, Franck Champagne. C'est de ça qu'il est question, comme la Panthère, partager. Voilà, Cyril Kemonieux. Ils étaient tous dans la salle. Voilà. Merci, Colette Miné, merci. C'est ça, Rennes met alternance. Donc, le boycott a été un succès phénoménal. Mais quand je vous dis phénoménal, ce n'est pas... Je dis phénoménal. Succès phénoménal. Voilà. Donc, ah oui, fils du planteur. Je dis que c'est un boycott phénoménal. On va prendre le temps de vous expliquer posément de quoi ça retourne, de quoi il est question, parce que vous ne pouvez même pas vous imaginer que c'est énorme. Ce qui vient de se passer là est énorme. Vous ne pouvez même pas vous imaginer que... Voilà. Voilà, donc... les gens s'amusent, les gens pensent qu'ils peuvent pas... Nous, on n'a rien contre l'exposition, hein. On n'a rien contre l'exposition. C'est la présence du chef qui pose problème. Et on essaie de bien l'expliquer aux gens que c'est la présence du chef qui pose problème. Le problème, ce n'est pas l'exposition. Oui, on est montré du doigt. Hein. Les gens sont très en colère. Les gens sont très remontés. On est montré du doigt. On nous pointe. Voilà, la chef du quad là-bas. Voilà, la basse là-bas. Voilà, la brigade du boycott là-bas. Et ben, de toute façon, on assume. Hein. Moi, je n'ai aucun souci par rapport à ça. J'ai mis mon t-shirt. J'ai mis mon t-shirt. Stop au génocide. Hein. Il est là. Hein. Je peux vous montrer mon t-shirt. Hein. Mon t-shirt, il est là, vous voyez? Il est là, mon t-shirt. Tout est écrit dessus. Donc, voilà, tout est écrit sur mon t-shirt. Hein. C'est bien écrit là-dessus. Donc, le message, il est clair. C'est pas comme si on était en train de cacher quelque chose. Non, non, non. Et j'ai aussi acheté mon billet, hein, mon billet d'entrée. Donc, on a bien acheté le billet. Hein. On a bien acheté notre billet. Hein. Mais tu vois que ça... Et puis, un régime, machin, après, c'est faire l'embourser. Ah bon? Oui, mais avec les billets. Oui, mais le mien, il est là encore, hein, oui. Parce qu'on n'a pas assisté au spectacle. Hein. Donc, on doit se faire rembourser parce qu'on n'a pas assisté au spectacle. Voilà. Donc, ben, les gens qui arrivent me demandent qu'est-ce qui se passe. Il se passe que nous sommes au musée du Quai Branly et que le chef, il y a des chefs de Fodiman Kouet, c'est un chef Sardina qui devait passer ici aujourd'hui. Voilà, suite à l'exposition qui se passe ici au Quai Branly depuis bientôt 3, 4, 4, 5 semaines. Voilà, suite à ce boycott-là, à cette exposition-là, justement. Donc, il y a des chefs de des 5 villages de l'Ouest qui devaient être ici aujourd'hui. Et ces chefs... voilà. Donc, nous sommes venus... nous sommes venus les boycotter. Le chef parle pas l'exposition. Parce qu'en tout état de cause, il faut le reconnaître. C'est une très belle exposition. Je me suis senti à Bazou, j'avais l'impression d'être dans ma chefferie à Bazou, étant dans ce musée. Le seul hic, c'est la présence du chef. Et la question qu'il faut se poser, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est ces revenus qui sont engendrés par cette exposition, ça va où? Est-ce que nos populations en profitent? Est-ce que les gens de mon village Bazou en profitent? Est-ce que les gens de Fodiman-Kouet en profitent? Non! Non! Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, Koff, pardon, dépose-moi. Est-ce que c'est le titre qui fait le combat, Koff? C'est pas le titre qui fait le combat. Hein. Vous voyez, les niais s'en vont. Contrôle d'identité assuré. Les niais s'en vont. C'est de ça qu'il est question. Eric Golf, bonjour. Bonjour. Bonjour, le notable. Mais quelles sont vos impressions? Je vous trouve très remonté. Y'a vous aussi. Baisse le cœur. Baisse le cœur, mon père. C'est le nerf de quoi? C'est le nerf de quoi? C'est le nerf de quoi? Hein, Eric? C'est quoi cette colère? Bon, je suis en colère parce que j'ai toujours dit que je respecte le combat de la brigade Sardina, qui est un combat. Ah, c'est le boycott. Oui. C'est un choix. Mais je dis que la préfecture de police ce soir décider d'annuler cet événement culturel ici est une honte. Honte pas pour la brigade. C'est ton chef là qui doit avoir honte. C'est
le chef de Fondiba en Côte là qui doit avoir honte. Il y a une chefferie ici en France. Est-ce qu'il y a une chefferie ici en France? Il y a une chefferie ici en France. La chefferie est à Fondiba en Côte et non en France. Notre tradition est au Cameroun. On est venu voir le chef, on est venu voir les œuvres d'art. C'est ça qui est question. Les œuvres d'art, c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas le chef qui nous intéressait. C'est les œuvres d'art. Voilà, on est venu voir les œuvres d'art, voir notre culture, pas voir un chef. Voilà ma culture là. On y va, on y va. Mais Cyril, Cyril, comment vous étiez dans la salle? Vous étiez là aussi? Oh mon Cyril! Mon Cyril! Vous étiez là? Oh là là, sorry! Qui va parler au chef? Personne! Personne ne veut lui parler! Le problème n'est pas de parler au chef! Le problème c'est de dire au chef qui doit laisser la chefferie et ne pas se mettre dans la politique! Le chef doit faire la politique, c'est de ça qu'il est question! C'est de ça qu'il est question! Acceptons ce qui est! Le chef, sa place, le chef est à la chefferie et non dans la politique! Il faut qu'on ait le RDPC! Le gars, appréciant, on ne peut pas les laisser sortir. On ne peut pas les laisser sortir. La place des chefs est à la chefferie. Les Camerounais, tous les chefs traditionnels qui ne savent pas que les autres Camerounais ne sont pas du peuple. La place du chef est à la chefferie. Nos œuvres d'art au musée, c'est excellent. J'ai apprécié, j'ai aimé. Mais la place du chef est à la chefferie. La place du chef est dans un musée en France. Est-ce que le chef est une œuvre d'art? Hein? Le chef doit laisser la chefferie. Du moment où un chef devient un RDPC, il devient quelqu'un à combattre. Et nous allons les combattre avec la plus grande virulence. Voilà. Je suis une femme, une mère d'enfant. Si j'ai la chance de rencontrer le chef Bazou, je vais l'enfariner même. Pour vous dire où est ma colère, mais bien sûr, mais bien sûr. Ce chef qu'on prend, on le transforme en marionnette. Il ne défend plus la culture. Il veut faire quoi ici au musée? Et s'il est une œuvre d'art, il n'est pas une œuvre d'art. Le chef doit être à la chefferie. Nos cultures, on apprécie, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais le chef doit rester au village. Tu fais quoi ici? Est-ce qu'il y a une chefferie ici? Il n'y a pas une chefferie ici? Il n'y a pas une chefferie ici? Est-ce qu'il y a une chefferie au Cap Branly? Non. Alors, je suis choqué que les gens soient fâchés. Les gens sont fâchés pourquoi? Les gens sont fâchés pourquoi? C'est quoi l'objet de la fâcherie? Pardon, maman. Mais ma mère, maman, vous, tu n'as pas vu les sculptures? Tu venais voir le chef, tu venais voir les sculptures, ma mère. C'est l'événement qui se passe. Non, tu venais voir le chef, tu venais voir les sculptures. Voilà. C'est les sculptures, comment je venais voir? J'ai fait les photos. J'ai filmé toutes les sculptures de mon village. J'ai filmé même la chefferie Bazou, son siège, parce que c'est le Bazouest. C'est ça? C'est ça qui est question. Mais on célèbre la culture avec qui? Il y a des personnes qui, au Cameroun, signent des motions de soutien. Alors, vous voyez, c'est depuis un et les chefs sont venus plusieurs fois. On a choisi notre jour. On n'est pas venu tous les jours, la mère. On n'est pas venu tous les jours. C'est très tendu, les nerfs sont tendus. Il y a de la colère. Il y a de la colère. Il y a de la colère, je peux comprendre, mais je tiens à vous dire que la sculpture, nos traditions sont respectées et ont été bien représentées au musée. La place du chef est à la chefferie. Donc franchement, vous pouvez revenir comme vous voulez, quand vous voulez. Ce n'est pas encore fini, il y en aura encore. Hein? Nadine. Abba, tu es fou. Oui. Il a choisi quoi? Ah oui, c'est voilà. Voilà. Les chefs doivent rester à la chefferie. C'est de ça qu'il est question. Tim Tim, le père. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Il faut dire qu'ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. C'est qui le soleil? Le soleil de maman. Les chefs sont devenus les petits papiers toilettes. Les chefs sont devenus les mouchoirs. Parce que le RDPC est ancré à la chefferie. Les chefs n'ont plus aucune valeur. Ils viennent les marionnettes en France. Vous allez les supporter. Le chef représente quoi au final? Il ne peut pas défendre son peuple. Landry, où? Landry, Landry. Les brigadiers, rapprochez-vous. Quelle fête culturelle, la mère? On dit que les gens meurent au Cameroun, tu parles de la fête culturelle.
La fête culturelle, c'est quoi la main? C'est quand on fait comme ça pour nous, on profite un peu pour pouvoir penser encore. Oui, oui, oui. Les gars sont dehors, les potamos aussi sont là. Oui, oui. Là, mon cœur peut baisser parce que les gars sont très nerveux ici. On dirait que les gars nous attendent pour nous donner les lâcheter. Rentrez bien. Merci d'être venu. Vous sortez là. Ah, pas ici? Ouais, ah, d'accord. Hein? On va me rembourser. Bien sûr qu'on doit être remboursé. Oui, oui, on doit être remboursé. Oui, oui, bien sûr. Oui. Oui, Marco! Marco de Waka! Fais ma bisou. Laisse pardon, on a grandi ensemble, on a accordé ensemble. Hé, laisse ta main, dis donc. Dis donc, Depuis le Cameroun, on se connaît. Oh, Maoumba quoi? Maoumba quoi? Vous croyez que moi je la connais aussi? On a fait le waka ensemble. Oh, on va quand même. Vous êtes nerveuse, hein, les filles. Vous êtes nerveuse, hein. Ça ne change rien. C'est ma copine du waka. Ma copine du waka. On a waka ensemble. On waka toujours. On waka toujours. On waka toujours. Oui, oui, rentrez bien, rentrez bien, soyez respectés. Ne me filmez plus, monsieur. Ah, la mère, pardon, rentre, ne tenez pas comme ça quand même. Et tu viens à quoi? Hé! Tu te mets de façon à voir comme ça, comment encore? Madame, agis-toi bien, quand le peuple encore On vous a rassuré que vos tickets vont vous être remboursés. Vous ne comprenez pas quoi? Gardez vos tickets, ils vont vous rembourser. Parce que là, pas. Les tickets vont vous être remboursés. Il n'y a aucune perte. Voilà. Partagez le direct. J'ai les Motamossi et les Landry qui m'attendent de l'autre côté. Donc, voilà. Voilà. Un coup, on sort à gauche. Un coup, on sort à droite. Elle met en terrain, les images font un genre, il y a le soleil, la magie seulement. Là, je me suis mise dans un coin, donc ça va. Il y a un peu d'ombre ici. Oui, Makana, tu as vu Makana en direct. Mamma mia, je t'ai vu en direct. Ah ouais. C'est ça qui est question. Ouais. Eh ouais. Non, t'es pas informé. C'est tout, on s'en fiche. Caroline la gloire, tu aimes les problèmes. Caroline la gloire. On envoie les cœurs à qui, Caroline? On envoie les cœurs à qui? Non, c'est trop succulent, Luc, c'est trop succulent. C'est très succulent. Et moi, je trouve que la réaction même des Camerounais n'est pas très, très désagréable. Ils sont fair play. Hein, mon grand? Les Camerounais sont fair play, hein, parce que je me serais attendu à une agressivité et autre, mais je trouve quand même que mine de rien, tout au fond de leur cœur, ils sont conscients que ce qu'on dit est vrai. La politique est venue ridiculiser nos chefs, clochatiser nos chefs et tout. Non mais c'est exagéré quand même. 5 minutes, elle dit qu'on donne 5 minutes. Les gars parlent et puis ils s'en vont. Est-ce que vous êtes fatigué dehors, que ce n'est pas la guerre? On va clôturer ensemble la main. Les gens sont nerveux. Les
ma chérie. Quand le Cameroun va changer, tout ça va profiter. Je t'aime jusqu'à le feu sort. Tu vas, tu ris. C'est une coïncidence là, mais c'est une coïncidence. On reconnaît qu'à l'Ouest, à l'Ouest, je suis au football. Tous les soutiens ne veulent pas. C'est-à-dire que nous, les gens, c'est pas normal. On doit le parler. Juste deux mots. Je n'ai jamais autant vu la culture parmi les quais que ce jour. On dirait qu'on est à un funérail. Allez, ne pas. Si vous êtes pressé, c'est en fait. Partagez, partagez, partagez. Là même, on dit qu'on nous dit de. ML Blanche. La police n'est pas partie, la police est encore là. Les policiers sont encore là, il y a un cordon de sécurité. On ne peut même pas sortir. La police est encore là. Eric est tellement fâché. Eric est tellement fâché, Serge. Eric est tellement fâché. La gare de la basse ont tout bloqué. Ça a pris un peu de temps terrible. Même maintenant, là, on est dedans, on nous empêche de sortir même. Donc, moi, j'ai l'argent de judo et pour moi. C'est ça que je dis, que si on ne se voit pas aujourd'hui, on se voit demain. On est bloqué, on ne peut même plus sortir, c'est ça le problème. On dit qu'au départ, on voulait nous laisser sortir. La police a tout bloqué, mais on ne peut même plus sortir. On a se fait rembourser normalement, non? Voilà encore la police qui arrive. Elles comprennent mon père, d'ailleurs, elles comprennent. Oui, la mère, en poste. Ça a été la visite, la mère. C'est venu l'autre jour. Non, ce matin, on se salue. Oui, non. Là, c'est pas le père là. C'est quoi dans ces clés comme ça pour aller à l'ambassade? C'est pas pour quoi l'ambassade? Vous aviez prévu. Et si vous voyez, c'est pas la prévue venir. Non. Merci chérie. Comment tu le connais quand tu fais quelque chose? Un peu amélioré, non? Maintenant, il respecte un peu les gens. Qui va faire honte là? Je suis de la chefferie Bazou. Moi que vous voyez devant vous, c'est de la chefferie Bazou. Je suis une reine, une princesse. Voilà, c'est le prince Odimon Kouet. Voilà. Donc tu es fâché qu'on a boycotté ton chef? Mais, fâché, non. Je
j'aurais aimé quand même qu'on ait la tribune. Voilà. Qu'on parle de vos revendications. Oui, oui. La moindre des choses. Tout à fait. Parce que c'est que la base n'est pas violente, mais c'est dommage. Merci, merci beaucoup. Voilà, c'était facile la main. C'était pas facile. Mais Kamel Kodia, on est tous en tenue de notabilité, qu'est-ce que tu crois? Doyen a mis la tenue d'apparat, Doyen a mis tous les accessoires. On est tous en tenue de notabilité, ça commence à sortir là. Ça commence à sortir. Ouais, Solo, j'ai vu Solo là. Ouais, Cyril, on a boycotté votre truc. Hein. Oh, sorry. Je suis triste pour vous, Cyril. Arrêtez le cœur, Cyril, vraiment. Je vais vous expliquer un truc ce soir dans le groupe. Un truc. Vraiment, je vais vous expliquer un truc. Non, non, je vous dis. Parce que c'est rarement que le sol est sous pied. Moi, j'ai en fait. Moi, je veux pas qu'il y en ait. Moi, si tu poses des choses. Donc, moi. Ah, il va expliquer. Voilà. Et là, c'est bien. Bien sûr. C'est bien. Qui peut être d'accord? Comment t'expliques ça bien? Qui peut être d'accord? Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est ceux qui ne sont pas d'accord. Qui refuse d'être d'accord? C'est qui refuse d'être d'accord? Voilà, voilà. Voilà. Un important dispositif de sécurité. Bonsoir les reines, les princesses, les mangues. Vraiment? Maman, tu ne veux pas la mère. Elle ne veut pas parler. Madame, c'est non. Ouais. Maman, vous êtes nerveuse comme ça. Faut pas, comment dirais-je, intimider la maman. Maman, salut la chefferie. Hein. Bonjour, madame. Salut, madame. Mais on m'a déjà fouillé. Encore. Madame, je ne sais pas ici. Non, sinon, elle va te contrôler. On m'a déjà concolé à l'intérieur, monsieur. Oui. On m'a déjà concolé à l'intérieur. Pardon? Oui, on m'a déjà concolé à l'intérieur. Vous avez une pièce d'identité? On vous a donné déjà la pièce d'identité? J'ai tout donné là-bas à l'intérieur, ouais, mes cartes bancaires. Je confirme. Et puis, voilà. Je vous merci. Partir, voilà, merci. Vous voyez? Mais. Non, non, je suis fermé. Voilà. Vas-y, oui. On veut juste avoir la confirmation, madame. C'est pas grave. C'est bon. Allez-y, madame. Merci. Un bon temps avec nous. Quel bon temps. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Voilà, tout est bien qui finit bien. Comme dans les films d'amour. Voilà, un peu de désolation, un peu de tristesse. On attend Landry. Je sais pas où est Landry qui est là. Il y a Landry. Ma chérie, cache ta joie. Vous avez vu les masques validités là. Vous avez vu vos origines. Ils ont vu. Voilà, vous n'avez pas vu le chef, le chef c'est pas important. C'est les masques. Voilà. Vous avez vu les sculptures, c'est bien, hein? C'est magnifique. Voilà. Merci Mamzou. Merci. Non, je n'ai pas filmé. Donc, j'attends Landry, qui est en train aussi de se faire contrôler. Voilà. Voilà. Vous savez, c'est un mode d'expression. Hein? C'est un mode d'expression. Qui, si on vous avait dit qu'on viendrait ici, vous avez demandé, oh, vous pouvez faire quoi, okay, Branly, dis donc. Ah, dis donc, on va vous faire ceci, on va vous faire cela. Voilà, tout amusé. Qui a été vidé à cause de 5 personnes, tout simplement. J'attends mon mari, s'il vous plaît. Il arrivera après. Allez.
S'il vous plaît, on avance. Allez madame, s'il vous plaît, je peux vous répéter deux fois. Donc on rentre, escorté, on est escorté. Allez, on y va. Merci la mère. On va continuer seulement. Ça ne peut rien de pas nous arrêter la mère. On va continuer. Merci Lanzouk. On va continuer la mer, on va continuer. Le chef c'est à la chefferie, ce n'est pas ici au musée. Donc on va continuer la mer, ça c'est même ce que tu parlais de ce moment comme ça, on va seulement continuer. Voilà. Merci. 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 Attends, on va voir le chef. Voilà la mère qui dit que Madjo a tué 11 enfants en Kumba. Qui a parlé? On vient voir le chef. Le chef, le chef. Le chef a parlé? Le chef s'est indigné? Le chef a parlé, le chef a dénoncé. Non. Le chef couille, porte la tenue, vient s'asseoir là comme un papin. On dit que on ne doit pas. Le chef n'a quoi à y voir. Le chef a quoi à y voir. Il a seulement quoi à y voir quand il faut venir prendre l'argent au musée. Mais les vraies causes derrière lesquelles il devrait s'aligner, il ne s'aligne pas. Hein? Hein, comment ça c'est grave? Hein? Comment ça on est grave la mère? C'est qu'on fait? Hein? Merci. Au moins vous reconnaissez. Merci. Voilà, 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 voilà. Je vais m'organiser pour prendre la route de chez moi. Vous voyez là, la police, hein? Il y a les cas de police. Hein? Il y a un succulent dispositif de sécurité. Voilà. Voilà, vous voyez les cas de police, les cas de Mazembe. Voilà, 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 voilà. Voilà. Donc, on est là. Donc, je sais pas, j'attends les Landry, les Motamo aussi. Rentrez bien haut. Il y a les gens même que je leur dis même rentrez bien, je leur dis même au revoir. Elles ne me gèrent même pas. Il y a les nerfs, il y a ceux qui sont nerveuses et puis il y a ceux qui ne sont pas nerveuses. Oui, bah, sauf sardine, hein. Il transpire la sardine. Il soigne. Mais comment les gars là, ils sont avec Landry, non, dis donc. Oh. J'ai les pieds en bouillie. Je vous assure que j'ai les pieds en bouillie. Pieds en bouillie. Je ne sais pas où est Landry.
façon. Ah, voilà Pierre. Pierre! Où est Landry? Depuis là, vous embarquez un de... Non, vous n'embarquez personne. Elle est là-bas. Rentrez bien. Merci. Voilà. Il a sorti jusqu'à l'écran. Non, là, il est là-devant. Il est là-devant. Ah, ils ont fait ça l'intéressant, puis les noms, l'adresse, tout ça. Depuis nous, on était en fait. Ouais. Ils nous guettaient depuis. Et puis quand vous nous enseignez, ils ont sorti. Ils nous guettaient depuis, nous guettaient. Voilà. Bien sûr. Les mafs, les reines, les princesses, tout ça, elles étaient comme ça au musée. Mmh. Donc, les mafs sont en train de rentrer avec les reines, les princesses. Merci la mère. Mmh. Merci, rentrez très bien. On va faire comment, hein, la mère? On peut faire quelque chose. Voilà. Devenez... La mère dit qu'on va faire comment? On peut faire quelque chose, la mère. On va faire comment? Je t'ai dit. La mère, qu'on va faire comment? Chose. Ah là là. Bien boyé, alors. On va faire comment? Le chef de la sécurité du musée là, lui, là, Roger, allez-vous. Correctement. Vous avez manqué au mami Pi au père là, mon ami. Le chef de la sécurité du musée, lui, là. Il a lui, là. Il a vu. Comment les gars ont fracassé la porte, prup, dedans. Il a compris que le rythme est fort. Ça, c'est un boycott succulent, dis donc. Très succulent. Aïe. C'est trop succulent. Il y a encore quoi là-bas devant? Chaque là, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que chaque personne qui rentre sait qu'il y a eu boycott. Chaque personne qui rentre sait qu'on a boycotté le chef. Chaque personne qui rentre va certainement s'interroger, se poser la question, pourquoi on a boycotté le chef? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu reproches au chef? Pourquoi? Donc, chaque personne... Mais c'est pas un problème d'être contente en fait. Le but c'est pas de qu'on soit content, le but c'est que qu'on fasse passer un message. Et vous trouvez que le message il est passé? Bah oui. Mais le but n'est pas que les choses vont changer d'un coup. Mais le chef rentre avec un message. Puisqu'il est conscient. Il rentre avec un message. Il rentre en sachant qu'il a été boycotté. Voilà. Mais ma chérie, les luttes ça prend le temps. Les luttes de changement ça prend le temps. C'est petit à petit. Mais parce qu'on n'est pas au Cameroun, je suis pas au Cameroun, moi. Je vis en France. Voilà. Ça dit qu'elle a la bouche, hein. Elle avait pas envie de poser la question. Mais oui, on n'est pas très utile. Ouais. Ben, elle est bien naïve, mais je n'en ai rien à foutre, je lui réponds. C'est un message en direction. Il dit que le chef en rentrant, le chef aujourd'hui, il rentre chez lui,
pour appeler ses il sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pour appeler voilà, ses, c'est ses, ça. Ses, les autres chefs. C'est ça. Ça commence solo. Ça va, il a fait quoi? Il est là-bas, il est là-bas voilà, avec les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment contrôler ça? Tout le monde. Mettez fichier W, S c'est petit. Fichier S c'est rien, mettez fichier W une fois. Que je n'arrive même plus à sortir de chez moi, c'est là que je vais comprendre. Tant que je peux sortir de chez moi, je vais sortir. Fichier S c'est quoi? Mettez fichier W. Mon général, ça va? D'accord. Contre un individu, j'espère que... Ouais. Donc comme ça, on est fichier S. On est fichier S. Après, on va quitter du fichier S au fichier Z. Après, le fichier Z, je fais le fichier W. Et bon, tant que ça ne chauffe pas, hein. C'est pas ça. Tant que ça m'empêche pas d'aller travailler pour nourrir mes enfants. Je peux me ficher même W, même Y, Z. Rien à foutre. Rien à foutre. Il y a de la colère, mais il y a aussi des gens qui sont contents, qui jugent que... Voilà. C'est ça le problème, vous croyez qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait quoi? Non, c'est ce que lui vient de dire, ce n'est pas. Non, on tape pas sur les gens. C'est un boycott pacifique. Zéro violence. Zéro violence. Aucune violence. Et qu'est-ce qu'on en a à voir avec la famille? Qu'est-ce qu'on en a à voir avec la famille? On a quoi à voir la famille? Il y a les gens qu'on attend. Il y a les gens qu'on attend. Il vient. Hein? Non, vous ne devez pas gâter notre famille. C'est la fête. Vous ne devez pas gâter notre famille. Nous, on est venus passer le chef. Enlevez le chef. Enlevez le chef, c'est ça. Le chef, quoi? Il n'est pas du quoi? La mère, dis la vérité. Dis la vérité, le diable te libère. Tous les chefs camerounais sont du RDPC, sauf Sa Majesté. M'en veux. Tu parles quoi comme ça en plein jour? Tu dis que le conseil va aider. Maman, il faut parler deux secondes. La mère est fâchée. La mère est fâchée. Fallait pas venir, chérie. Vous voyez que nous-mêmes on est touchés. Si je te revu dans le camp en face, tu serais attrapé le premier. Non. Le combat, je le soutiens. Le message est le suivant. Le message est clair. Nous sommes traditionnels. Mais je dirais qu'on en a aussi vrai, aussi vrai que les chefs traditionnels sont les gardiens du temple. Aussi vrai que les chefs traditionnels sont les gardiens de nos valeurs. Partagez le direct, s'il vous plaît. Nous disons ceci. Nous demandons aux chefs traditionnels de veiller, n'est-ce pas, sur la sécurité de leur peuple. Et la sécurité de leur peuple consiste à faire quoi? À préserver leur peuple contre les risques de guerre civile. Or, depuis 6 ans au Cameroun, il y a une guerre civile qui est en train d'étendre ses tentacules au jour le jour. Vous savez encore que au cours de la nuit dernière, il y a
n'est-ce pas, un détachement, n'est-ce pas, une unité d'Ambazoniens qui a fait une incursion dans un village du Noun, tuant au passage 9 éléments de forces de défense. Et j'ai été sidéré après, n'est-ce pas, cet événement dramatique, de voir le gouverneur, n'est-ce pas, de l'Ouest, Awa Fonka. J'ai été sidéré de le voir venir tenir un discours aux populations en lieu et place de Nabil Bombo-Ndjoya. J'ai dit, c'est le monde à l'envers. Est-ce que les autorités politiques au Cameroun, les autorités administratives, est-ce qu'il y a eu bloc au Cameroun et les autorités administratives ont désormais pris la place des autorités traditionnelles? Nous insurgeons contre ce genre de fait. Et nous disons, nous profitons de l'occasion pour interpeller tous les chefs traditionnels, en l'occurrence le chef, le roi de Bamoun, sa majesté Nabil Bombo-Ndjoya, le roi de Banjoun, sa majesté Honoré Jomo Kamga, le roi Sokodjo, pour lui simplement qu'il continue de sensibiliser ses pères. Parce que nous savons déjà le travail qu'il fait afin de ramener, n'est-ce pas, la paix au Cameroun. Le roi des Bakoko, parce que moi je parle ici des chefferies qui comptent au Cameroun. Donc Salomon Madiba Senghé, sa majesté Salomon Madiba Senghé, nous attendons de vous que vous fassiez le travail, n'est-ce pas, dévolu aux chefs traditionnels. Ça veut dire ceux-là qui veillent sur la quiétude du peuple. Depuis bientôt 6 ans au Cameroun, il y a une guerre civile qui fait bientôt 16 000 morts. Et vous êtes là à regarder, à ne rien dire. On se pose donc la question de savoir, les chefferies traditionnelles servent finalement à quoi? Votre pouvoir, vos pouvoirs, qu'est-ce que vous en faites? C'est maintenant que vous devez nous démontrer que vous êtes des souverains. C'est maintenant que vous devez arrêter la folie meurtrière de ce régime dictatorial de Yaoundé. C'est maintenant que vous devez être capable de dire au régime sanguinaire Yaoundé, trop c'est trop. Le peuple, on a assez décimé le peuple. Il est temps maintenant qu'on fasse asseoir tous les enfants, n'est-ce pas, sous l'arbre à palabre, autour d'une table. On va appeler ça le dialogue national inclusif pour qu'ensemble nous discutions et que nous envisagions des solutions de paix pour le Cameroun. Donc, ce chef que je viens de citer, s'il vous plaît, le l'amido de Ray Bouba, Sa Majesté Aboubakari, nous vous attendons. C'est maintenant que vous devez agir. Le roi, n'est-ce pas, de Tika, ça c'est le chefferie. Mon général, pas Wanto. Wanto, vous n'avez pas confronté. Ça me fait dire Wanto. Alors, on va l'ouvrir. Non, c'est pas parce que je l'appelle. D'accord. Rectifie donc, voilà. Alors, c'est pas. Bon. On dit, je veux que tu aies une fit. Donc, j'étais en train de dire. Villageois, c'est pas un problème. Non, Stéphane, ne mélange pas les choses. Moi, c'est pas l'interpellation. Tu as coupé le général. J'étais disant que effectivement nous attendons que tous ces souverains-là nous démontrent qu'ils sont pour un pays pacifié, un pays pacifique, un pays où règne la paix sur l'ensemble du territoire. Nos frères ambazoniens, nos frères anglophones, il est grand temps qu'on fasse asseoir tout le monde autour de la table, qu'on élargisse tous les prisonniers politiques, parce qu'il est hors de question qu'au Cameroun, il y a deux catégories de citoyens camerounais. Il y a des citoyens camerounais qui peuvent organiser des marches en toute quiétude sans avoir rien demandé comme autorisation ou comme déclaration, sans avoir rien fait comme déclaration. Par contre, il y a des camerounais, il y a une catégorie de camerounais qui ne peut même pas, cette catégorie-là, organiser des réunions privées. Donc nous disons, nous sommes contre du deux poids deux mesures. Les questions aujourd'hui, les autorités traditionnelles camerounaises puissent se regarder dans la classe, puissent se dire on ne peut pas continuer dans cet état de fait et il nous appartient, nous, en tant qu'autorités traditionnelles, de prendre le devant, de prendre, n'est-ce pas, notre bâton de commandement pour ramener la paix dans ce pays. Aïdjo est parti en vous laissant un pays en paix. Que devient ce pays 40 ans après? C'est la guerre.
c'est la guerre dans le septentrion, c'est la guerre en Amazonie, c'est les populations qui se dressent les unes contre les autres, c'est les populations, le Douala qui se dresse contre les populations Bamileke, c'est les populations, c'est les femmes petites qui, ça, regardent les autres populations en chaîne de parents. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Il est temps maintenant que tout s'arrête et que les uns et les autres viennent à la raison. Je compte sur cette traditionnelle-là pour nous montrer le bon chemin. Voilà. Maintenant, aux chefs traditionnels qui prennent souvent le risque de venir, d'aller signer des motions de soutien, d'appeler à la nouvelle candidature de Paul Biya. Sachez que, bien que vous soyez, n'est-ce pas, les gardiens du temple, bien que vous soyez les dépositaires de pouvoir traditionnel, nous, vos enfants de la diaspora, nous vous interdisons tous ces jours à Paris. Donc un chef traditionnel qui signe une motion de soutien pour Paul Biya, il est interdit. Et quand je parle, j'espère que le chef Baham m'entend. Parce que de tous les chefs de l'Ouest, il se pourrait que c'est lui qui semble être celui qui est vraiment à côté de la plaque. Il n'est jamais temps pour se ressaisir. Qu'il puisse se ressaisir. Sa Majesté, honoré Jomo Kamga du Kunki, de Banjul. Écoutez, nous comptons sur vous pour œuvrer à ramener la paix au Cameroun. Il suffit simplement que l'un de vous ait le courage de dire aux autorités politiques au Cameroun, on ne peut pas continuer comme ça, droit au mur. Il est question que nous nous ressaisissions et que chacun de nous essaye de voir comment est-ce qu'il peut contribuer à sa manière, à son niveau, pour que tout le monde mette la main au processus de paix au Cameroun. Nous ne vous demandons qu'à vivre dans un pays en paix. La prospérité, elle viendra, elle nous appartient. La prospérité sera au rendez-vous dès que le pays sera pacifié. Donc c'est le message que j'avais à passer aujourd'hui. J'espère que les uns et les autres comprendront que nous ne sommes pas venus en cassa. La police, le détachement des CRS sont venus. Ils sont venus, on a discuté ensemble. Je leur ai fait comprendre qu'il y a un organisateur qui s'est mal comporté avec moi. Bon, il sera convoqué dans les jours qui viennent parce qu'il a... Il a arraché mon chapeau parce qu'il estime que je n'ai pas le droit de porter ce chapeau de notabilité. Bon, je ne sais pas trop pourquoi il pense que je n'ai pas le droit à ce chapeau et tout, mais toujours est-il que la police a, n'est-ce pas, pris ses coordonnées, la police va se charger de lui dire qu'on ne décoiffe pas un monsieur respectable en public. Voilà. Donc c'est de ça qu'il est question. Okay. Ça, c'était pour répondre à la question que les élèves me posaient, à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, la porte-parole, je compte sur vous pour relayer le message, je compte sur vous pour continuer de faire le travail de sensibilisation que vous faites, parce que le peuple doit comprendre que la diaspora combattante, les Amazones, le message que tu représentes, qui disent à bien arrêter de le tuer, le conseil des Camerounais, tous les autres, nous sommes des pacifistes, nous sommes des pacifiques et nous œuvrons jour et nuit pour le retour de la paix. Pas plus que ça. Nous demandons simplement que les Camerounais s'assoient autour d'une table pour la paix avec le Cameroun, que les Camerounais se parlent et qu'ensemble on voit comment on peut relancer le moteur, n'est-ce pas, de notre gouvernement et de notre pays. Merci mon général. Merci beaucoup. Tu peux m'envoyer la vidéo, je transmets à mon papa, aux amis. Ben, comment ça, vous pouvez t'envoyer la vidéo? Vous pouvez t'envoyer la vidéo comment? Sur WhatsApp. Non, mais... Là, vous faites la diffusion live? Oui, oui. Ah, c'est quoi la chaîne? Non, c'est pas une chaîne, c'est une page. C'est laquelle? Et puis, la joie du quoi officiel. Villageoise, sur Facebook, Villageoise. Sur Facebook? Oui, sur Facebook. Votre papa, il est camerounais? Ouais. Ah. Villageoise, du quoi officiel. Villageoise. Bah, mon papa et moi aussi, hein. Voilà, c'est ça la page. Ah, voilà. C'est ça. C'est cette page-là. Comme ça, on peut retrouver la vidéo. Il faut. Voilà. Et si vous entrez sur la page directement. Oh les filles, on arrête de discuter, on dit que c'est un filles. Il y a le coffret là-bas, madame, il y a le coffret. Fais le tour. D'accord. Moi, je suis personne ici. D'accord. Fédifier tout. Ok. D'accord. Oui, d'accord. Mais. Ah bah, tout. Ah bah, quand tout est Landry. Vous par contre les nuits l'endroit de l'autre côté, Bagnina. Ah vous par contre les nuits l'endroit de l'autre côté, Bagnina. Ah vous par contre les nuits l'endroit de l'autre côté.
Voilà, voilà, voilà. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Tout est bien qui finit bien. De l'autre côté, voilà, bah, on te voit, les nids. Ouf. Je sais pas. C'est ça qui est énervant, c'est qu'ils aiment tout parler, 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 parler inutilement. Il faut qu'on n'arrive pas à trouver la situation de Landry. Oh. On dit qu'on va de l'autre côté pour voir Landry, il faut qu'on contourne. Allons-y. Mais prospère. Voilà, voilà, voilà. Donc après, dès que j'arrive au métro, j'arrête le direct. Je prends mon métro et je m'en vais. J'arrive au métro, j'arrête le métro, je prends le train, je m'en vais parce que c'est pas évident, je vous assure. J'étais censé, on a dit qu'on venait là, on repartait à 14h. Là, il est 18h, je suis encore là. Que je me déchausse, j'enlève mes chaussettes parce que j'ai les pieds en compote. Aïe, aïe. Ah, ça chauffe, ça chauffe. Ah, là, là. Ah, putain. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ah. Voilà. Donc, voilà. Nous sommes tous en train de. Oui, le débrief va se faire à la maison qu'avec Odia. Il faut qu'elle rentre, non? Ils vont mourir, ils vont descendre. Il faut que le débrief doit se faire à la maison. Moi, je n'habite pas. Il n'habite pas à la Tour Eiffel, il n'habite pas au Quai Branly. Il n'habite pas au Quai Branly, mon père. Il faut que je bac, non? Il faut que je bac quand même aussi. Et si c'était samedi, c'est qu'on va aller s'asseoir quelque part et faire le débrief tous ensemble. Mais là, c'est dimanche, demain, il y a le boulot. Donc, il faut qu'on rentre. Ama! Ama! Moi, je lance, hein? Moi, je m'en vais. Mais où je vous dis? Donc on va comme ça retrouver le combattant Landry. Landry Ndiantouf. On va comme ça le retrouver. Parce que lui, il a été un peu pris en aparté. Donc on va comme ça voir. Voir ce qui se passe avec Landry, parce qu'on nous a tous, pris nos identités, on nous a tous contrôlés et ils nous ont tous laissés. Hein. Mais sauf que Landry, ils l'ont gardé avec lui. Donc il faut qu'on aille s'acquérir de la situation, de ce qu'il en est. Donc dès qu'on finit ça,
Ce que j'ai les informations par rapport à l'Andrew, je vais lancer vers l'Andrew. Et si j'arrive à la maison tôt, je pourrais vous faire le débrief pour raconter exactement ce qui s'est passé, le pourquoi de l'évacuation, pourquoi on a évacué le quai Branly, pour raconter pourquoi ça a été évacué du début jusqu'à la fin, parce que vous avez seulement vu comment il y a un temps que de sortir, vous n'avez pas vu ce que la basse, ce que les gars ont fait à l'intérieur, ce que Landry, surtout Landry et Fomete Pierre, ces deux commandos, ce qu'ils ont fait à l'intérieur. Et je vous dis souvent que les combattants les plus virulents sont les no-names. Encore vous? Merci. sont les no-names. C'est les no-names qui sont les plus virulents. C'est les no-names qui sont les plus forts. Ce ne sont pas les combattants comme les no-là qui sont toujours devant comme ça. Mais ce sont des gars qu'on ne voit jamais. C'est eux-là qui font des choses incroyables. Voilà. Donc, c'est ce sont ces deux combattants qui ont fait. Et ça en est suivi ce qui s'en est suivi. Et le pire, c'est que on a eu des gens à l'intérieur qui faisaient comme si. Il y a un même qui m'a dit, je l'ai même enregistré. Il disait, on va faire ce qu'on est venu faire ici. Il y aura. Et vous n'allez rien faire. J'ai dit, ah bon? Il a dit oui. Il dit, il m'a même insulté. Regarde comment il est grosse. Pourtant, lui, il était plus gros que moi. Hein. Il dit que voilà un cochon qui se moque du porc. Mais bon, comme on dit, c'est le camin. Donc, on va vraiment s'acquérir de la situation de Landry là. Et après, mes chers amis, on va partir. Que tous ces chefs comprennent qu'ils ne sont pas la bienvenue ici, en diaspora. Encore plus, venir fanfaronner comme ça là, au musée. C'est encore la pire des choses. Voilà. C'est encore pire qu'autre chose. Voilà. Moi, la représentation en elle-même au musée était quelque chose de magnifique. Les sculptures, notre village, notre culture, c'était magnifique. Mais la chose qu'on n'a pas compris, c'est la présence de ce chef. Est-ce que le chef a besoin d'être là? Il n'a pas besoin d'être là. Et là, comme la communauté de Fodima en fait, ne comprennent pas, disent ne pas comprendre pourquoi c'est leur chef qu'on fait ça. Je leur réponds que ce n'est pas un problème que de Fodima en fait, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Ce n'est pas voilà, on vous dit on ne peut pas boycotter tout le monde en même temps, on ne peut pas. On est des humains, on a des contraintes professionnelles, on a des choses à faire, on ne peut pas. Mais quand le calendrier nous permet et qu'on voit qu'on a un nombre suffisant de combattants, on peut organiser quelque chose. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que vous allez voir, il y a certains artistes qui vont peut-être pouvoir prester et d'autres pas. Parce que tout dépend de disponibilité des uns et des autres. Il faut quand même savoir que ce sont les humains qui gèrent, qui font le boycott. Ce n'est pas des robots. Voilà, il faut de la disponibilité. Il faut un nombre un peu important de combattants pour pouvoir faire une action comme ça, parce que on n'est pas à l'abri d'une quelconque, on n'est pas à l'abri d'une agression. Et vous avez vu, le général Wanto s'est fait agresser. Donc parce qu'il y a toujours des pas trop contents, des gens qui refusent de comprendre notre combat, qui refusent même catégoriquement de comprendre du tout ce qu'on fait. Ils ne veulent pas, ils refusent, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent rien entendre. Donc il y a des agressions comme ça. Et vous savez, nous on est des femmes. Moi, je suis une femme. C'est vrai que ma bouche sort beaucoup. Pour être ma longue bouche, mais ma bouche sort beaucoup. Je peux affronter les femmes, mais je peux aussi affronter les hommes. Les hommes, je ne peux pas les affronter parce que la force d'un homme, c'est la force d'un homme. Donc, vous comprenez qu'il faut tout ça. Donc, que la communauté Fodjumenko sache que vraiment, on n'a rien contre eux. Notre seul souci, c'est vraiment le chef et rien d'autre. Voilà, et rien d'autre. Voilà. Quand on pourra, on reviendra encore toujours au Quai Branly, parce que c'est de ça qu'il est question. Voilà. Voilà. Donc, on continue. Avancez là-bas, je suis en direct. Donc, voilà. C'est pas. Les gens qui ont
la mine vraiment froissée. Il y a des gens qui ont la mine vraiment froissée. Je vous attends ici, hein? Je n'aime pas le soleil. Donc voilà quoi. Voilà comme ça la team. Ce qu'il en est. Ce qui s'est passé. Voilà. Vous voyez, je suis épuisée. Je suis fatiguée. Mais quand je dis je suis fatiguée, je suis épuisée. Je suis KO. Mais bon. Il fallait le faire. Hein. Il n'y a pas de lumière, je ne vois pas bien. Il n'y a pas une bonne visibilité, mais bon. Vous voyez, j'ai les scènes de 3 jours. Hein. Je n'ai pas dormi, j'ai passé. J'étais là, j'étais à une réunion hier, je suis rentré à 4h du matin. Et malgré ça, il fallait que je me lève tôt pour venir ici au boycott parce qu'il fallait le faire, il fallait le faire, il fallait le faire. Donc, je vais arrêter le direct. Je vous remercie infiniment. Pour les partages, merci pour tout, merci pour l'accompagnement, merci d'être resté avec moi, avec nous lors de durant tout le live. Voilà, nous vous remercions infiniment pour vos soutiens et nous allons encore comme ça une fois de plus adresser nos sincères excuses à la communauté Fodimenkouet, à tous ces parents, tous ces enfants, toutes ces jeunes personnes qui sont déplacées pour le musée du Quai Branly, mais qui malheureusement n'ont pas pu assister à cette danse, démonstration de danse traditionnelle qui devait se passer. Effectivement, les gens qui sont déplacés sont des dommages collatéraux parce qu'on n'en veut aucunement à ces populations qui sont déplacées pour venir regarder ces belles sculptures, ces beaux masques, ces beaux vêtements de la chefferie, des chefferies Bamileke. Notre province, c'était le chef qui fallait qu'on l'interprète pour lui dire qu'un chef est censé protéger, le chef est le garant de nos traditions, comme le dit chaque jour Sa Majesté, le roi Sokoudjou, ils sont les garants de nos traditions, de nos coutumes et tout. Alors que des chefs, c'est vrai que le gouvernement a réussi à les politiser, à les clochatiser. Aujourd'hui, ils sont devenus des hommes politiques. Au lieu d'être des garants des traditions, au lieu d'être là pour protéger le peuple, ils sont plutôt là pour protéger leur portefeuille et se protéger eux-mêmes. Donc, et malheureusement, cela, on doit le dénoncer, on doit combattre cela avec la plus grande... merci Alette, avec la plus grande virulence. Voilà. Donc, le chef... Parce qu'ils m'ont demandé, mes villageois du Quat, alors vous avez gagné quoi? J'ai envie de vous dire que le chef, du simple fait que ce chef n'a pas pu assister à la cérémonie dans la salle de théâtre comme c'était initialement prévu. Et voilà, en rentrant chez lui ce soir, ce chef se souviendra qu'il est parti à Paris et qu'il a goûté à la basse, voilà, à cette basse, à ces Amazones, à ces combattants épris de justice. Il a goûté à cela. Et comme je dis toujours, pour moi, les gens avec qui on doit être, moi personnellement, les gens avec qui on doit être encore plus virulente, plus dure, ce sont ces chefs de l'Ouest. Parce que vous savez, généralement, les gens vous nous dites sur les réseaux sociaux, oh, quand c'est les Bamileke, vous ne boycottez pas. Oh, on a vu le Bamileke, il a fait telle chose, on n'a pas boycotté. Oh, on a vu telle chose de Bamileke. Oh, on a vu telle chose de Bamileke. Oui, c'est vous les Bamileke. Oui, tout là-bas, c'est Bamileke. Bon. Oui, donc comme tout là-bas, c'est Bamileke. Pour moi, ça a vraiment un goût particulier quand un Bamileke boycotte un autre Bamileke, puisqu'on dit que tout là-bas, c'est Bamileke. Donc, c'est ce qui me plaît. Donc, c'est ça le message. C'est ça que je voulais vous dire. Mais je vous dis en passant, c'est la première fois depuis 22 ans que je suis en Europe que je pose mes pieds au Quai Branly. Voilà. Et pour vous dire... Jacques Chirac, pour vous dire les choses telles qu'elles sont, Jacques Chirac, on ne l'oubliera jamais, parce que les grands hommes laissent des grandes choses derrière, ou des grandes réalisations. Ce qu'il a fait ici au musée du Quai Branly, c'est quelque chose d'incroyable. Voilà, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose d'incroyable. C'est ce qu'on appelle des grands hommes, pas des gens qui viennent, qui trouvent un pays au sommet et qui laissent le pays dans la ruine avant de partir. Voilà. Je vous assure. Hein? C'est ça qui est question. Pouya. Voilà. Donc, les choses. Voilà. C'est fini. C'est fini. Donc, je vous dis bye. Bye, la team. Bye. Merci pour tout.